Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner plein de conseils concernant le swing, le placement rythmique et le jeu binaire en jazz manouche, notamment concernant l'interprétation rythmique des improvisations. Alors on va commencer par le swing. Je vais parler notamment du retard des croches. Vous savez probablement déjà que en jazz, on retarde les croches, on joue pas toutes les croches binaires. Ta 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 ta. On fait comme en blues, on retarde la deuxième croche. Ta 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 ta. Ça, on va le faire plus ou moins en fonction du tempo. À des tempi de 120 ou 130, on va le faire pas mal. Ça va être assez marqué. 170 encore un petit peu et 230, 240. Dès que ça va être assez rapide, on va quasiment plus le faire et on va jouer binaire. Donc on va tellement accélérer que on va finir par jouer. Ça c'est régulier, c'est binaire. La grande majorité des improvisations et des thèmes joués par Django Reinhardt sont interprétés en swing, surtout autour des tempi de 150 BPM. Entre 150 et 200, c'est quasiment tout swingé et il joue tout le temps en swingant, en retardant les croches. Je vais juste vous montrer ça sur des courts extraits 1 à 120 BPM ou 130 sur Dream of You. Après 1 à 190 et 1 à 230. Sur minor swing à 190. I'll see you in my dreams. Donc là, j'ai essayé de forcer un petit peu le swing. J'ai swingé un peu plus que ce qu'on aurait l'habitude de faire, notamment ma dernière phrase. J'ai un peu exagéré ça, et même de toute façon, dans mon jeu personnel, j'ai tendance à l'exagérer un petit peu, même si c'est quelque chose que j'essaie de corriger. Comme ça, vous connaissez tous mes secrets. J'ai tendance à le faire un petit peu trop, du coup, voilà, je suis en train de modifier ça et de travailler ça. Mais on va avoir tendance à jouer quasiment carrément binaire à ce tempo-là. Alors je refais quand même pour que vous percevez bien la différence. Quand je retarde bien les croches, ti bada 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 ben, ça fait ça, j'exagère le swing. Si je joue binaire, ça va faire ti ta 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 ta. Là c'est binaire. Et là c'est swingé. Et quand on accélère, c'est de moins en moins perceptible. Mais essayez d'être bien sensible à ça, c'est très important. Cette interprétation rythmique du swing et donc du retard de la deuxième croche, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien intégrer, qu'il faut bien ressentir, dans l'idéal en le faisant pile là où Django mettait sa croche. Puisque c'est un peu ça la référence, hein, c'est la façon dont Django swing, qui est devenu avec le temps là où c'est bon de swinguer. Et puis il se trouve qu'il l'a placé au bon endroit quand même, la croche. Donc il faut travailler ça. Pour travailler ça, il y a notamment, je pense à la vidéo Minor Swing, qui est une vidéo sur mon site, une vidéo intégrale qui est payante du coup. Il y a des documents téléchargeables avec cette vidéo, des fichiers MP3, modèles, où je fais des phrases simples du genre... Et il faut jouer en même temps que moi, en même temps que le fichier MP3 en fait. Pour placer les croches au bon endroit, il y a même une partie de la vidéo où j'explique exactement la méthode à avoir pour bien faire ça. Donc ça c'était la première partie concernant le swing, il faut retarder ses croches. Si vous jouez tout binaire, ça ne va pas sonner. Deuxième partie, le placement rythmique. Donc le placement rythmique, c'est est-ce qu'on joue sur le temps, un peu devant ou un peu derrière. En jazz manouche, on a tendance à jouer bien sur le temps. Je parle du soliste, hein, lorsqu'on fait une improvisation, on a tendance à jouer bien sur la pulsation. On joue rarement, voire pas du tout devant, et on joue
on peut jouer parfois un petit peu derrière. C'est quelque chose que Django faisait très peu. Et c'est quelque chose qui est utilisé abondamment. C'est un procédé qu'on fait énormément en jazz, pas manouche, à partir des années 30-40 à peu près. Chet Baker, Miles Davis, John Scofield, à certaines périodes de leur carrière, ils jouaient très derrière. John Scofield, il jouait tout le temps derrière. Ce qui plaisait pas beaucoup à Miles d'ailleurs. Mais donc en fait, quand on vient du jazz pas manouche, on a parfois l'envie de jouer derrière. C'est quelque chose qui n'est pas trop dans le style. Ça sonne pas mal, mais c'est juste pas spécifique au jazz manouche. Donc je vais faire une improvisation où je vais jouer derrière et après où je vais jouer bien sur la pulsation. Vous allez voir la différence. Sur Minor Swing à 160. Donc ça s'était placé derrière, maintenant sur la pulsation. Voilà, donc en fait le jeu derrière ça donne quelque chose d'un petit peu flou, un petit peu ça tire le morceau, ça a tendance à le ralentir un petit peu et c'est un effet qu'on aime bien en jazz, pas manouche, mais en manouche on le fait assez peu. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse. Si vous aimez bien jouer derrière, essayez d'en être conscient déjà de votre placement rythmique et ensuite essayez de doser ça, essayez de vous dire qu'en jazz manouche c'est pas trop le délire et que si vous passez trois grilles de solo à jouer derrière à mort, peut-être que les accompagnateurs, au bout d'un moment, ça va moins leur plaire que quand vous faites du jazz pas manouche, quoi. Et maintenant, parlons du jeu binaire. Alors, pourquoi on va jouer binaire en jazz manouche? Et bien, en fait, parce qu'en fait, Django faisait ça. Django avait bien compris qu'il y avait un contraste intéressant dans l'interprétation du swing, et on pouvait retarder plus ou moins les croches, et on pouvait aussi ne pas les retarder du tout, donc jouer binaire. C'est quelque chose qu'il faisait d'ailleurs volontiers, plutôt dans les années 30, avant les années 40, il faisait beaucoup, et c'est quelque chose qui était, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui était beaucoup fait à l'époque. Je pense par exemple au guitariste Eddie Lang, qui jouait aussi beaucoup avec cette façon d'interpréter les notes. Donc même sur du swing, disons à 150 ou 104, entre 150 et 200, tic, donc tic, 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 il va faire ta 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 ta. Il joue binaire. Alors on ne le fait pas systématiquement sur tout un solo, mais sur quelques mesures ça peut sonner bien. Ça apporte quelque chose d'un petit peu... ça sonne à l'ancienne, on va dire. J'oserais pas dire un peu rustre, mais il y a quelque chose d'un peu à l'ancienne en fait. Et donc ça peut être bien de faire ça, de temps en temps, de jouer binaire. Ça apporte un contraste supplémentaire à vos impros. Et quand c'est fait pas trop systématiquement et de façon subtile, je trouve que ça sonne bien. Illustration sur minor swing à 190 BPM. Je vais alterner entre jeu swing et jeu bien binaire. J'espère que c'était assez clair dans cette improvisation. Comme c'était à 190 BPM, c'est déjà assez rapide et donc la différence swing-pas swing est moins flagrante que si je l'avais fait à 150 BPM. Mais aussi à 150 BPM, c'est un petit peu plus difficile de bien sonner quand on joue binaire. Bref, j'espère que tous ces conseils vous auront bien aidé, vous auront peut-être ouvert les oreilles sur des sujets
que vous n'aviez pas trop l'habitude d'aborder. Typiquement, le jeu binaire, c'est quelque chose dont on ne parle pas, alors que pourtant, Django, enfin moi, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, Django joue assez souvent binaire. Il suffit d'écouter le thème de Blues Clair, juste la première grille, et on voit qu'il alterne entre le swing et le jeu binaire. Donc voilà, j'espère que vous avoir donné pas mal de pistes de travail pour bosser tout ça. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, il y a des playbacks pour bosser. Tous les playbacks sur lesquels je joue, là, c'est des playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi des pages sur le jazz manouche, des articles en fait, sur mon site Guitare Improvisation, et il y a plein de vidéos beaucoup plus complètes, d'une heure ou un peu plus, un peu moins, à un prix très abordable, sur mon site Guitare Improvisation.